Bonjour Alain Delon. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes le parrain du pavillon français de l'exposition universelle de Shanghai. Vous êtes fier, monsieur Delon, que la France vous ait fait cet honneur? Oui. Même si, en réalité, c'est moi qui ai fait honneur à la France en acceptant ce parrainage. Car il faut que vous le sachiez, en Chine, je suis considéré comme un dieu vivant. En Chine, le nom d'Alain Delon est synonyme de bonheur, de félicité, de richesse, de beauté, bien sûr, mais aussi de fertilité. Oui, sachez-le, en Chine, les femmes qui ont des difficultés à concevoir des enfants se frottent régulièrement, pendant plusieurs jours, le sexe, avec une photo d'Alain Delon. Et elles finissent toujours par enfanter de magnifiques enfants aux yeux bleus, comme Alain Delon. En Chine, disais-je, Alain Delon est... Oui, merci, monsieur Delon. C'est vous qui avez accueilli Nicolas Sarkozy et son épouse sur le seuil de ce pavillon français? Ni en Chine, ni ailleurs, on interrompt Alain Delon. Pardonnez-moi. Pour votre pénitence, vous me direz trois fois « Je vous salue, Delon ». Ce pavillon français est très réussi et c'est tout naturel puisque Jean suis le parrain. Et il était aussi naturel que ce soit moi qui en fasse les honneurs au président et à son épouse Carla, dont j'admire la force de caractère puisqu'elle a réussi à passer près d'une heure à mes côtés sans me sauter dessus et me couvrir de caresses ou de baisers. Des milliards de Chinoises auraient donné leur vie pour être à sa place. J'ai été très étonné que les photographes la mitraillent presque autant qu'Alain Delon, car je ne pense pas qu'elle soit véritablement connue en Chine, ou alors peut-être comme chanteuse. Il l'a dit. Veuillez me laisser maintenant. Alain Delon a autre chose à faire.